Tu sais, mettons, le bobsleigh, le gars en avant, le gars en arrière, c'est... mais mettons, un des gars du milieu, en autant que tu suis les autres, je pense que t'es correct. Là. Check t'sais, la tête du gars en avant. Tu sais, je pense pas qu'il y a une équipe qui a gagné ou perdu à cause du numéro 3, tu sais. Non, en effet. Ou tu sais, ils font luge à deux aussi. Luge à deux, oui. Tu sais, luge... Ils sont couchés. Mais tu sais, c'est un par-dessus d'autre. Ah, ouais, ben oui. Toi, t'aimerais pas ça. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, tu vas recevoir un bobeur. Je pense que c'est des bobeurs, ceux qui font du bobsleigh. Les gars de bobsleigh? Ben, peut-être qu'ils vont. Ah, c'est juste des bobeurs. Oui, c'est des bobeurs. J'avais déjà fait une joke là-dessus. Puis j'adorais le nom bobeur, fait que je le répétais sans arrêt. Ça se peut que je le répète au moins 15 fois d'ici la fin du podcast, d'ailleurs, parce que vous allez vous attacher au terme bobeur. Mais, ouais, c'est des bobeurs. Mais donc, les bobeurs. Mais tu sais, il y a le sprint du début. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, il faut être en forme. Ça, honnêtement, c'est pas le cardio du siècle, là, me semble. Ben, je sais pas. Ils sont sûrement stressés, mais. On appelle tout ça un sprint quand c'est trois pas. Tu sais, c'est pas tant un sprint, c'est embarque vite dans le véhicule, ouais, là. C'est sûr. C'est. Ouais, c'est pas un marathon, ouais. C'est certain. Ah, non. Mais ça, ouais, c'est ça. Il faut être en. Puis là, c'est ça. C'est pas tout le monde qui fait du bobsleigh, là. Mais moi la. Comment tu sais, il y a une tonne de. Il y a de bobeurs, genre des Patreons qui sont bobeurs. Hey, tabarnak, vous c'est les ça, bien. C'est un ça ouais, Mike Ward, perd d'un commanditaire. Les bobeurs du Québec.